Bien, bonjour et bienvenue, amis de la culture, dans ce JT culturel, dans ce JT de la culture sur votre télé, la BNP TV, la télé de toutes les générations que vous suivez sur Star Times, chaîne 125 et sur les www.bnp-tv.com. Ce journal est également à suivre sur notre chaîne YouTube. Dans ce JT, bien sûr, nous vous parlerons du lancement officiel du nouvel album de Sad B intitulé Hello Africa. Et comme invité de ce journal, nous recevrons Dieudonné Nianguna. Il est auteur, acteur, dramaturge et metteur en scène congolais. Il est bien sûr au Burundi. C'est pour un atelier sur le théâtre Abuja sans tabou. Bienvenue. Comme je le disais dans le titre, vendredi, le chanteur Sad B a donc lancé officiellement son nouvel album intitulé Hello Africa, l'hôtel Kiriri Garden. Des chanteurs, DJ, opérateurs culturels avaient pris part à ce rendez-vous. Je vous prie de suivre ce reportage. Le lancement officiel et une session d'écoute du nouvel album de Sad B ont eu lieu vendredi dernier à Kiriri Garden. Bien avant cette session d'écoute, une conférence de presse a été organisée à l'intention des journalistes pour parler des différents titres de l'album Hello Africa. Lors de cette conférence, l'artiste a parlé de certains handicaps dans l'industrie de la musique. Alors qu'il y a deux semaines, Sad B avait annoncé que pour tout événement, il sera payé 10 millions de francs. En répondant aux questions des journalistes, il a fait savoir qu'il sera difficile pour lui d'en avoir, mais que l'important c'est de lancer l'initiative car elle peut servir aux générations futures. Alors qu'aujourd'hui se manifestent beaucoup des polémiques entre la musique burundaise et rwandaise, quant à la diffusion, l'artiste a fait savoir qu'il est difficile aujourd'hui de ne plus diffuser la musique rwandaise, mais qu'il serait mieux de suivre les pas qu'ils ont emboîtés pour y arriver. Après cette conférence de presse, les acteurs culturels se sont retrouvés pour une session d'écoute, Listening Party, toujours à l'hôtel Kiriri Garden. Vous saurez enfin que le chanteur Big Fizo, à travers son label, a acheté le nouvel album de Sad B à 500 000 francs. Et comme invité du journal, nous sommes avec Dieudonné Nianguna. Il est auteur, acteur, dramaturge et metteur en scène congolais. Il est donc à Bujumbura dans le cadre d'un atelier sur le théâtre à Abuja sans tabou. Suivez. Alors donc je suis Dieudonné Nianguna, comme on a dit, comédien, dramaturge, metteur en scène. Je viens à l'origine du Congo-Brazzaville. J'ai appris le théâtre et je suis basé depuis une quinzaine d'années en France où je continue donc à faire du théâtre. Et en particulier, hormis l'activité de créer des spectacles de théâtre, je suis en même temps professeur donc dans des écoles de théâtre en Europe. Mais aussi j'interviens beaucoup dans le continent africain autour des festivals pour donner des ateliers, des formations, dans des initiatives aussi qui sont très proches des festivals, hein, qui sont comme des événementiels dans des structures comme ici à Abuja sans tabou. Parce que je crois que la transmission est quelque chose de très très important pour la continuation évidemment des activités culturelles et aussi pour apporter une qualité tant soit peu plus élevée au niveau du travail. Alors j'ai commencé à écrire dans la bibliothèque de mon père à l'âge de 7 ans et demi. Il était très très clair qu'en ce moment-là, j'avais le désir d'être un écrivain. Puis j'étais passionné par les acteurs de théâtre et de cinéma à partir de 8 ans, quand mon père m'emmène voir la première pièce de théâtre d'un dramaturge qui s'appelait Sonny Laboutanci, également romancier. Et donc j'ai eu cette passion qui était donc doublée de l'acte d'écrire et de celui de jouer. Du coup, j'ai suivi évidemment ma passion jusqu'à ce qu'elle m'emmène à bon port là où je suis actuellement. Donc pendant toute ma vie, je n'ai rêvé qu'une seule chose, écrire et jouer. J'ai pris une formation au départ dans une compagnie de théâtre qui s'appelait le Théâtre d'art africain. Puisque j'étais dans un pays où il n'y avait pas d'école de théâtre, mais par contre il y avait des troupes. Donc les formations étaient évidemment données par ces troupes-là, avec un metteur en scène à la clé, qui très souvent faisait office de formateur en même temps. Et c'était des mentors qui étaient d'une exigence. Je dis même qu'on a appris le théâtre à la chicotte, parce qu'à chaque erreur de diction, à chaque erreur d'intonation, à une erreur de jeu, on avait droit genre de 20 à 30 coups de fouet. Et quand on était en retard, alors là, on devrait
faire 3 fois le tour du théâtre, comme ça en courant, une espèce de footing. Puis après, on nous mettait à pied avant pendant 30 minutes. Et à la fin des répétitions, on devrait payer la tournée pour tout le monde. On a pris le théâtre avec une exigence assez ferme et on devrait suivre beaucoup de spectacles en même temps parce qu'on faisait un rapport tout le mois. Toutes les fins du mois, on faisait un rapport de tous les spectacles qu'on a vus pendant le mois. On posait un regard critique là-dessus. Et puis, les metteurs en scène, après, nous posaient des questions sur notre perception du jeu, de la lumière, du décor. Ouais. Donc, c'était une formation qui était assez dure, mais complète quand même. Ouais, ouais. Mais complète quand même. C'est celle-là que j'ai suivie dans cette compagnie-là. Mais beaucoup plus que cette formation-là, c'était les ateliers aussi. Qui très souvent à l'époque était animé par des metteurs en scène qui venaient beaucoup plus de France et un peu de Belgique et qui étaient invités à l'époque par le Centre culturel français. Donc il y avait des ateliers qui se passaient au Centre culturel français auxquels j'ai beaucoup participé à cette époque-là. Puis après ces ateliers, c'était à moi maintenant de continuer un peu à fructifier ce que j'avais reçu comme bagage. Et c'est cette fructification-là, en quelque sorte, qui plus tard me donnera évidemment la teneur de porter à mon tour une troupe de théâtre et de commencer à créer. Je suis en train de travailler avec 12 acteurs et actrices autour de Macbeth de William Shakespeare. Mais dans le but étant de leur donner un certain nombre d'éléments dont Shakespeare en est le maître, puisqu'il est le plus grand dramaturge de tous les temps. Donc des éléments qui sont très très propres à l'art shakespearien, qui sont à l'endroit d'abord de l'intériorisation des personnages, qui est un mal dont souffrent la grande partie des comédiens dans tout le continent africain. On a des comédiens qui sont très exubérants, qui sont très comiques, très drôles, très démonstratifs, mais qui ne développent pas assez, évidemment, certaines dimensions dans l'art de la profondeur du comédien, des comédiens qui sont très intérieurs. Et les textes de Shakespeare, notamment le monologue de Hamlet ou certains personnages comme Macbeth, permettent aux comédiens de travailler une dimension très très profonde à l'intérieur. Ou même quand on entend juste un comédien dire un texte avec moins d'effets possible, on est transporté, on peut pleurer, on peut rêver. Ou un comédien, juste à travers une tirade, peut tenir toute une salle comme ça en apnée pendant des minutes et des minutes. Donc une dimension poétique en même temps, une dimension où on est très très proche de la réalité profonde du personnage. Et ça, dans l'art shakespearien, on y trouve parce qu'évidemment, c'était d'abord un poète dramatique avant d'être un metteur en scène. Donc c'est le but de travailler sur des pièces de Shakespeare, notamment Macbeth, parce qu'au début, on devrait travailler et sur Macbeth et sur Le Roi Lear, mais là, on a peu de temps. Donc c'est le but de travailler sur ces, une fois qu'ils auront intégré un certain nombre de techniques, donc assez proche de l'intériorisation du personnage. On a aussi utilisé d'autres méthodes comme ceux de Stanislavski pour après trouver leur spécificité à eux qui sont dans l'atelier, comment ils peuvent maintenant, à partir de des sous-outils qu'ils vont avoir, développer, trouver leur profondeur burundaise du théâtre par eux-mêmes. Un artiste dans la société doit être, à mon humble avis, d'abord un acteur culturel qui participe donc au développement de son pays par la forme la plus éducative qui soit, par la forme la plus interventionniste qui soit, au niveau d'abord des valeurs, qui sont très très importantes à garder et à continuer à développer, et au niveau aussi de savoir apporter des solutions, mais des solutions à partir des problématiques qui sont évoquées dans la société. Et l'artiste y trouve ces solutions-là juste par l'art, par ses représentations théâtrales, à travers une fable, à travers une chanson, à travers une forme de danse. Mais trouver des solutions ne veut pas dire que c'est lui qui va régler le problème, non. Trouver des solutions, c'est apaiser les mots par l'art. Apaiser les mots M-E-A-U-X. Ouh là là, je ne suis pas bien réveillé. Comment, évidemment, à travers différentes situations, belles ou plus ou moins critiques, l'acteur peut être cette personne-là qui n'est pas en dehors des problématiques de la société, qui ne lui tourne pas le dos, mais par contre qui embrasse la problématique ou les problématiques et les questionne à travers son art pour permettre à ce qu'il y ait un débat social, puisque l'art fait partie des débats sociaux pour la seule raison que l'art est au cœur de la société comme étant un organe de divertissement, un organe d'enrichissement des connaissances, un organe de partage, donc un organe qui promulgue la valeur des cultures.
Donc en cela, le sens réel d'un artiste, c'est d'épouser évidemment ces différents facteurs-là. D'être le témoin positif, évidemment, d'une société, en étant à l'intérieur de la société, comme étant un acteur activant. Être à un endroit d'attendre, mais de proposer. Puisque être dans une situation donnée nous oblige à la vivre d'une certaine manière, parce qu'on est conditionné, mais ce qu'il faut beaucoup plus quand on est artiste à cet endroit-là en Afrique, c'est pas seulement de vivre la situation comme étant une victime, mais c'est de vivre la situation comme étant évidemment une force de proposition. Donc ne pas être écrasé par la situation, mais par contre savoir trouver des moyens de sortir des situations qui peuvent être assez compliquées pour un artiste, que ce soit évidemment des questions de production, parce qu'il faut des moyens pour arriver à produire des spectacles, parce qu'il faut qu'il y ait de l'aide à la création, parce qu'il faut continuer à redynamiser le public, qu'il en ait beaucoup plus, qu'il y ait plus de public, et en plus que ce soit un public très divers et varié, et très cultivé, c'est-à-dire qu'il soit très très curieux de passer de la danse traditionnelle à la danse contemporaine, à la danse ambiante, à la variété, et de passer un spectacle de théâtre comique, à un spectacle de théâtre tragique, à un spectacle de théâtre contemporain, à une danse contemporaine, à une exposition de peinture. Donc un public qui doit avoir en quelque sorte une espèce d'appétit, comme ça, une espèce d'appétit, parce qu'on va lui proposer des mets différents, on va lui proposer des goûts différents, des choses différentes, pour former évidemment toute la richesse d'une culture artistique, d'une culture intellectuelle qui fera de telle manière qu'il va être un bon citoyen dans son temps, dans sa ville, un bon contemporain. Parce qu'il faut bien l'être. Être un bon vivant pour bien sortir les choses et savoir les transmettre. Et en tant que public, être un bon vivant pour avoir le goût d'aller au théâtre, le goût d'aller voir un concert, le goût d'aller voir une exposition et d'en parler et d'en discuter et d'en réfléchir. Et évidemment, pour moi, c'est vraiment ça le témoin de la vie. Pour moi, c'est ça vivre. Non, je n'ai pas encore créé un spectacle au Burundi, mais ça ne saurait tarder. Et peut-être que je ne devrais pas le dire, parce que ça devrait être leur surprise. C'est que le travail que je suis en train de faire là actuellement avec eux finira par être une pièce de théâtre que je créerai l'année prochaine. Mais ça, il ne faut pas qu'ils le sachent d'abord. J'aimerais le leur dire à la fin de l'atelier, mais là, je l'ai dit à la télé. Bon, je crois que les spectateurs le sauront avant les acteurs. Et c'est peut-être ça, la belle surprise qu'ils vont avoir ce soir quand ils vont suivre l'émission. Mais j'ai déjà vu des spectacles burundais. Je trouve qu'ils mériteraient beaucoup plus une audience internationale parce que c'est un travail de qualité, mais qui mériterait beaucoup plus d'être vu ici et aussi beaucoup plus ailleurs, parce que ça nourrirait un côté comme un autre. C'est-à-dire pour les acteurs, ça développerait en eux quelque chose, parce que c'est important de croiser d'autres types de publics, ça nous permet de nous forger un peu plus, d'ajouter en nous d'autres techniques, d'autres bagages et d'autres façons de percevoir, d'avoir une perception de notre métier. Et aussi, aux différents publics, il leur est important de voir différents spectacles qui viennent de différents endroits. Ça ajoute aussi en eux un bagage assez intéressant et une perception assez large de l'affaire. Donc je trouve que dans le concert africain des théâtres africains, le Burundi mériterait une place beaucoup plus importante si on lui permettait une visibilité théâtrale assez importante. Et c'est donc par ici que prend fin ce journal de la culture sur votre télé, la BNP TV, la télé de toutes les générations. Restez scotchés sur nos programmes. À très vite.